trees? Because I'm gonna eat a tree. Ah, elle veut manger des arbres apparemment. Donc, on est de retour. La dernière fois, on a eu un long épisode. Un épisode assez long. Ça s'est très bien solvé. On a abattu un ours. On a enfin abattu l'ours. On lui a couru après. On a joué un peu à la cliffhanger et tout ça. Donc, honnêtement, c'était chaud. et on avait que 6 flèches. Et on l'a eu. Okay, il fait pas extrêmement froid. Donc on s'est super bien débrouillé. Vraiment content de ça. Et on l'a pourchassé. On a fait le tour de la forêt là-bas. Et il est arrivé pas très loin de chez nous. Donc vraiment cool. Il fait pas extrêmement froid. Je pense qu'on va, comme j'ai dit la dernière fois, on va utiliser le fait de tout découper. Comme ça on va pouvoir... récupérer les parties les plus intéressantes. Donc la plus intéressante, c'est la fourrure. J'ai jamais fait de peau, de vêtements en fourrure de... C'est un rocher? Oui, c'est un rocher. D'ours. Donc ça serait bien de pouvoir le faire. Mais il en faut deux à chaque fois. C'est embêtant. Ah, il est là, notre petit Winnie. Alors, on peut faire ça, c'est 2 heures par contre. Par contre, si on prend que la fourrure, c'est une 40 minutes. Et après, ce qu'on pourrait faire, c'est les boyaux, prendre quelques boyaux. Ouais, quelques boyaux, c'est quand même long. Hein. Ça fait quand même long. Je crois qu'on va faire ça à la place. Ah, pas découper la carcasse gelée à plus de 50%. Ok. Ok. On va avoir froid. Ok, on se casse. On n'est pas niveau 3 pour la carcasse. Donc on peut pas... si on est niveau 1, même si ça commence à être gelé, je crois que si c'est gelé à... Je sais plus. Je crois que genre à 100%, on peut plus. Et après niveau 2, c'est 50%. Non, je crois que c'est faux. Niveau 3. Ouais, non, c'est à plus de 50%. Voilà, c'est à plus de 50%. Si la carcasse est gelée à plus de 50%, on peut plus la dépecer. Donc il faut la réchauffer, il faut faire un feu à côté. Par contre, quand on arrive niveau 3, je crois que même si elle est gelée, on peut le faire. Et honnêtement, ça change un peu la vie, c'est vrai. Donc là, c'est vrai qu'on peut plus la couper en morceaux, la carcasse. Bon, on a récupéré la peau, ce qui est le plus intéressant. Il va bientôt faire jour. On va attendre... Ah, je suis content, hein. Franchement, on a bien joué la dernière fois. On a vraiment bien joué. Mais bon, ça nous avance pas. Et voilà, on a tué un ours, d'accord, c'est super, c'est fun, mais ça nous avance pas, parce que du coup, avec la peau, on fait rien. Il en faut quand même un deuxième. Voilà, donc bon, qu'est-ce que je vous dise, moi. Mais bon, on a encore une flèche, elle a 2%. On va passer le temps, on va se réchauffer, on va faire ça. Truc à la main... On les a fait ou pas? Ah, on les a tous fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Je sais pas. Récupérer du tissu. Le temps que ça se... le temps qu'on se réchauffe, le temps que le soleil se lève. Ah, ce qu'on peut faire, c'est aiguiser. Parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup nos outils. On peut aiguiser. Ça prend du temps, ça fait passer le temps, c'est utile. C'est très utile.
Ça augmente aussi notre compétence. Je vais être honnête, j'ai jamais pris le temps de vraiment regarder si ça a aidé. La compétence déguisée, si ça vraiment ça faisait quelque chose. Ok, on a encore un litre, ça va. J'ai jamais pris le temps de regarder, donc je sais pas. Il faudrait regarder sur, sur un Wikipédia ou un truc comme ça. Si vraiment c'est utile. Je dirais oui, je vois pas pourquoi il l'aurait mis si c'était pas utile, mais bon. Vous vous rappelez, il nous manque toujours une flèche. Vous vous rappelez de ça? Quand on a perdu la flèche avec l'eau. Le loup, pardon. Pas l'ours, le loup. Ok, on a les corbeaux sur le cadavre de l'ours. Très bien. Alors, on pourrait faire un feu à côté. On va voir comment ça se passe. Parce que c'est assez protégé. Il y a le rocher, il y a l'arbre là. Donc à la limite, on pourrait peut-être faire un feu. Ouais, le plus rapide, c'est le couteau. Ok, j'en ai trop fait, là. Y'a pas de plume ? Non, y'a pas de plume. Comme ça, on peut faire cuire la viande directement. On pourrait faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ou pas? On pourrait faire ça. Et le soleil fait soleil. Donc on va avoir un feu gratuit. Yeah, let's go. On va le faire. Let's go, on va le faire. S'il continue à faire un temps comme ça, c'est très bien. Donc on va prendre les derniers boyaux qui restent. On va prendre la viande aussi. Alors les boyaux, ça c'est cool. Tac, 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 très bien. Attendez, est-ce qu'on va poser ça? Ça sert à rien. Les morceaux de bois qu'on a là. 1, 2, 3. Un peu les brindilles. On va mettre les bois de récupération de côté. Je l'avais déjà expliqué, mais les bois de récupération, du coup, c'est limité. Parce que, bah, du coup, il faut détruire des choses, genre des chaises et tout ça. Et du coup, c'est limité. Alors que c'est vrai que les bois de chêne et tout, bah du coup, vous en récupérez après les tempêtes. Voilà. Donc, à la limite, vu que vous pouvez faire que des collets avec des bois de récupération, c'est vrai que ça, c'est un problème. Donc, dans un sens, c'est pas vraiment conseillé d'utiliser le bois de récupération. Même si au final, bah, c'est du feu facile, en fait. C'est vraiment du feu très simple. Enfin, du fuel pour le feu très très facile à avoir. La plupart du temps, vous mettez très peu de temps à détruire les chaises, détruire les tables et tout ça, les caisses. Vous pouvez le faire à la main. Et ça donne énormément de carburant pour un feu. On a plein de corbeaux, on a zéro plume. C'est nul. C'est nul ce jeu. On va faire le feu. On va faire le feu là, je crois. Je sais pas. Bon, faut se décider en tout cas. Non, il est en pente. C'est en pente. On peut pas. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non.
T'es sérieux, même là? Attends. Non, mais c'est pas vraiment le but de le faire là, en fait. Je suis en train de refroidir pour rien. On va le faire. Pourquoi faire un feu du coup? Parce que si on fait que des allers-retours, on va jamais y arriver. Ouais, si on fait que des allers-retours, on va jamais y arriver. Parce que j'ai envie quand même de récupérer la viande et la faire cuire. Donc on va se réchauffer au feu. Oh, lucky day. Est-ce que... On n'a pas... J'ai rien pris sur moi. Ah mon dieu, quelle merde. J'ai rien pris sur moi. Pouh. Voilà, comme ça on se réchauffe plus vite. Oui, alors le problème, voilà, c'est que des fois, ben, les animaux meurent dans des pentes et du coup, vous pouvez pas faire de feu. Donc ça fout un peu la merde. On peut même pas faire d'eau, on n'a pas pris de... on n'a rien pris. Et là, j'ai pas envie de faire encore un aller-retour. On n'a pas de récipient pour faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est... c'est utiliser ça, à la limite. Pour avoir le bonus. Pour avoir le bonus de chaleur. Ah, vous voyez que si vous le mettez là, ça va brûler après. Mais là, si vous le mettez à côté, normalement, ça brûle pas. Ok, let's go. Alors, vu que c'est gelé, aussi, ça change. Parce que si la carcasse est pas gelée, vous prenez le couteau pour découper. Par contre, si la carcasse est gelée, il faut la scie à métaux. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est bien de garder les deux. Euh, 1h20. Ah oui, par contre, ça prend du temps parce que c'est des gros steaks. Ok, ça c'est chaud, c'est bien. Si on le déplace... C'est encore chaud, ouais, c'est bon. Très bien. Par contre, de sprinter comme ça à chaque fois, c'est vraiment pas une bonne idée. Les boyaux, par contre, le couteau, c'est mieux. Elle est encore bonne, ça va. Bien, toujours pas de plumes, c'est cool. On va éviter de sprinter, ça sert à rien de sprinter comme ça. On récupère les boyaux, très bien, 10 minutes. J'aurais dû...
j'aurais dû couper... J'aurais pas dû prendre autant de boyaux. J'aurais dû prendre des morceaux de viande. Parce que là, maintenant, on va devoir découper les morceaux de viande. Et après, on va les mettre. C'est con. C'est con, ce que je viens de faire. Et là, on perd du temps pour rien. On perd 18 minutes pour rien. 18 minutes de feu. Bon, on a de la chance, le temps est avec et de notre côté, ça va. Ok. Donc maintenant, on a des 990 calories pour 1 kilo. Viande d'ours cuite fraîche. De la viande d'ours cuite, ça cale. Est-ce que ça nous dit qu'on peut être malade? Normalement, oui, ça doit nous le dire. Non, ça cale. Ça nous le dit pas, mais on peut être malade. Mais bon, c'est des... Ouais, c'est des steaks à 1000 calories, quoi. Ah, très bien. C'est des steaks à 1000 calories. C'est pas n'importe quoi. Très bien. Ça va, on est encore chaud. C'est bien parce que la scie, on peut vraiment facilement la réparer. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Un beau temps. Très bien. 17 minutes. 17 minutes, on peut aller encore récupérer deux steaks. Ah bah c'est tranquille. Honnêtement, c'est... Oh, je vais être honnête. Hein. C'est tranquille seulement parce qu'on a un beau temps, ok? Parce que sinon, ça serait complètement la merde. On pourrait pas le faire, on devrait... Ça serait inutile. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on récupère pas mal d'expérience en faisant ça, donc c'est pas... Tout est utile, en fait, tout est utile. C'est juste que la viande, c'est pas la meilleure pour la manger. Encore 2 heures. Cuisine niveau 3, très bien. Vous voyez, donc c'est bien. Et après, je suspecte... Je pense, hein... que cuire des grosses choses peut-être donne un peu plus d'expérience. On a encore 21 kilos à prendre. C'est abusé. Je pense que cuire des choses qui font presque 1000 calories, ça aide aussi. Ah, et le truc, le coup, c'est vrai que d'utiliser la scie, ça nous aide. Parce que la scie, ça prend genre 1%, même pas, à chaque fois. Et la scie, c'est simple à réparer. Ah tiens, il fait tellement bon qu'on a chaud. Voilà. 29 minutes. Alors, fais voir un peu les niveaux. On a carcasse. On est presque niveau 3, ça c'est bien. Et on a... Cuisine niveau 3. Aucune perte de calories quand vous forcez une conserve, très bien. Délai de cuisson, les aliments rapportent 15% de calories en moins. En plus, pardon. En moins. Vous montez le niveau et vous perdez les calories. On va monter la carcasse, ça c'est bien ça. On devrait être niveau 3 là. Ou pas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'utilise la touche du... Attendez, je vais pas regarder le feu. J'utilise la touche du... pour poser des leurres.
Parce que poser un leurre, en fait, elle va poser toute la viande et tout ça, donc du coup, ça va plus vite. Ça va plus vite que d'aller dans le menu à chaque fois. Je me baisse aussi tout le temps. Pour éviter qu'on se fasse sentir par un ours, par un loup ou un truc comme ça. Ça y est, niveau 3. On va devoir prendre ça et le ramener à la maison. Niveau 3, carcasse. Alors délai de collecte de viande, moins 25%. Vous pouvez collecter 50% des carcasses gelées à la main, ça c'est bien. Et peau et boyau, moins 10% aussi, c'est très bien. Donc tout va plus vite. Et maintenant on peut récolter si la truc est gelée à 50%. À la main, on peut le faire à la main. Sinon il faut des outils avant. Avant il fallait des outils en fait. Maintenant on va pouvoir le faire à la main. Et maintenant il faut 15 minutes. Au lieu de 18. On a encore 11 kilos à récolter. On va voir ce qu'on fait, si on récolte tout ou pas. Je pense qu'on va laisser une partie de viande, comme ça, ça fera des corbeaux, ils vont venir. Il y a encore 22 minutes, on a 1h30. Ouais. Ouais, on va laisser une partie quand même de la viande. Comme ça, ça fera peut-être des plumes. Oula! Vous savez où vous êtes? Vous savez? Vous êtes dans Silent Hill. Ouais, je sais. C'est toujours la même chose. C'est pas ma faute. Hein. Ah, par contre, il nous faudrait... Merde. Il faudrait un tout petit peu plus long. Ah, parfait. Non, je crois que il reste quoi? 9 kilos? 7 kilos? 9 kilos. On prend encore 2 kilos. Et on se casse. Ah, il va faire nuit en plus. Elle est fatiguée aussi. Ok. On va faire attention. Parce que là, honnêtement, on est très très bon pour les embuscades. Là, on est là, c'est vraiment le guet-apens. On est à fond en nourriture, brouillard. Donc, on a des boyaux sur nous. On pue le sang. Là, la guet-apens de loup, là, je le vois bien. Là, je le vois bien arriver. Donc, on va commencer à faire les allers-retours, on va tout ramener ça à la maison. Après, je sais pas si je l'ai dit déjà, mais quand vous regardez les choses de face... Vous pouvez mieux les voir si c'est de côté. Par exemple, vous regardez l'arbre, il y a le brouillard. Mais si vous regardez de côté, vous voyez plus clair, vous voyez moins de brouillard. Je pense que je l'avais déjà dit, mais ça aussi, c'est un truc. Je sais pas, c'est la façon dont marche leur jeu. Donc ouais, quand ça a cette forme-là, c'est viande de carnivore. Et du coup, ben ouais, on peut être malade.
On peut être malade, sauf si on est cuisson niveau 5. Si on est cuisson niveau 5, ça passe. On a tous, on a tellement gagné de boyaux là d'un coup. Ah, c'est bien, c'est ça, on revient. Là, c'est de pire en pire. C'est vraiment bien le coup des boyaux. Faudrait qu'on récupère de la vie par contre. Ouais, vraiment qu'on récupère de la vie. On va faire... Ouais, je pense que les prochains jours, on va faire un tout petit peu plus attention par rapport à notre vie et pas vraiment tenter et forcer le... les sorties dans le froid parce que... Parce que là, on est quand même assez bas en vie. Mais bon, je suis content. Ça, franchement, ça, c'est vraiment bien. Encore 11 minutes. On est lourd ou pas? Ouais, ça va. Je vais voir si on n'a pas des... Si on n'a pas des plumes. Ok, merci pour rien, c'est cool, ça fait plaisir. On va avoir des problèmes hein, avec les flèches. Hein, si à chaque fois on récupère jamais de plumes sur les cadavres. Un truc qu'il faudrait faire, c'est aller voir le loup qu'on a tué. Vous savez, on l'a dessiné aussi. Voilà. On l'a dessiné, il était sur le côté droit. Et on garde la torche juste au cas où. Du coup, on est allé à... Ce qui est marrant, c'est qu'on est allé à la cabane du trappeur pour rien. Enfin, non, si, on n'aurait pas vu l'ours, sinon. On n'aurait jamais vu l'ours. Donc, au final, oui, non, ça a bien marché. Mais il faut y retourner, parce que... parce que j'avais dans l'idée de rester là-bas et de me balader dans la forêt, quoi. Donc c'est vrai que là, au final, on le fait pas. Mais bon, on avait prévu de combattre, enfin de chasser des cerfs et tout ça, des loups, et au final, on a chassé un ours. Donc, bon, en théorie, c'est mieux. On n'a pas perdu de flèches, je suis content. Pas cette fois. On a monté de niveau avec l'arc. Ah, j'ai pas regardé, je crois que j'ai pas regardé la dernière fois si on a ce que fait l'arc niveau 2. La torche, on n'a pas vraiment besoin parce qu'il fait pas froid, mais juste au cas où, vous savez, un loup qui passe par là qui nous renifle, on sait jamais. Surtout qu'on voit rien là. Allez, très bien. Ah putain. Voilà. Et après, ça c'est tout ce qu'on devra... faire cuire. À chaque fois c'est 1 kg 900 et là 1035. Voilà, au début on faisait, ouais, c'est 1035 quand c'est cuit. C'est énorme hein, c'est 1035 de calories par steak. C'est énormissime. C'est énormissime. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre là maintenant directement J'ai envie de prendre une tisane. Ah oui, il faut qu'on reprenne des... J'ai envie de prendre une tisane pour qu'on dorme mieux. On va en prendre un. Ok, très bien. Ça c'est bon.
Voilà, juste une tisane pour mieux dormir et récupérer plus de vie. J'ai envie de le faire. On va prendre 2 litres. Et on va manger un steak de machin. Regardez-moi cette peau d'ours. C'est énorme. Par contre, faudrait peut-être la bouger parce que il y a des choses en dessous. Voilà. Ça, c'est bientôt fini. On va pouvoir faire les bottes. Quoique, je voudrais bien faire le pantalon, mais je crois que le pantalon, c'est 3, 3 ou 4. Bottes, bottes c'est 2. Pantalon, c'est 3. Ouais, ouais c'est 3. Il nous faut chasser encore plus de loups. Mais ouais. Non, mais on avance bien, là. C'est bien. Là, c'est vrai que, par contre... On arrête un peu l'aventure. Enfin, l'aventure de se balader. Et là, on est plutôt en mode chasse et tout ça. Bon, après, on est assez agressif. Hein. Vous avez vu qu'à chaque épisode, on va défoncer plein de trucs. Donc, on est assez agressif. Ça se passe bien. Mais c'est vrai que là, bon, on n'explore pas vraiment. Voilà, on n'explore pas vraiment. Mais comme j'ai dit, j'ai bien envie d'aller voir pour l'élan. Plus tard. Donc oui, j'avais dit qu'on voulait regarder le niveau... Je sais plus si on l'avait regardé la dernière fois. Tir à l'arc, niveau 2. Instabilité de l'arc, moins 25%, et dégâts de flèche, plus 10%. Ça, c'est vraiment bien. Donc, on a récupéré... Donc, au final, avec l'ours, collecté tout ça, on a récupéré carcasse niveau 3. C'est vraiment cool. La cuisine, niveau 3 aussi. L'allumage de feu, faut qu'on se force à allumer des feux. Faut qu'on monte de niveau aussi. On pourrait aller sur la pêche. Pardon. Aller pêcher. On pourrait aller sur la pêche. On pourrait pêcher aussi. Ça pourrait nous aider. Donc on va faire ça. Pour mieux dormir. On va manger ça en entier. Alors si vous mangez des trucs qui peuvent vous rendre malade, voilà. Là on a 1% de chance d'avoir des parasites. Vous pouvez pas remanger en fait plusieurs fois parce qu'à chaque fois ça va augmenter les pourcentages. Donc si vous prenez un steak, vous prenez le plus gros steak qui existe. Voilà, le plus gros steak qui existe. Voilà, évitez de manger à nouveau de la viande d'animal carnivore. Vous voyez, c'est à chaque fois ça va rajouter, ça va rajouter. Donc prenez le plus gros steak. Ok, on se réveille en pleine forme. On a un temps de merde, il fait bientôt... Il fait bientôt jour. On a récupéré pas mal de vie, ouais. On a très bien fait, on était là à peu près. On a récupéré tout ça, c'est très très bien. Et on n'est pas tombé malade pendant la nuit, c'est bien aussi. Alors les collets, on pourrait faire des collets. C'est pas vraiment utile pour le moment. Alors, il fait bientôt jour. Par contre, on a un temps tout pourri, apparemment. Je pense qu'on va aiguiser nos outils et tout ça, le temps de qu'il fasse jour. Ouais. On va aiguiser tout ça. Donc, je crois que le fait d'être malade, ça dure 24 heures, je pense. Ou une vingtaine d'heures à peu près. Si vous vous débrouillez bien, ça dépend ce que vous faites en fait pendant la journée. On va aiguiser. Alors, attendez, on a ça. On a la scie, non, ça va. On va aiguiser ça. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez tous les 2 jours manger de la viande de carnivore. Parce qu'après les 1% en fait vont partir, donc après vous pouvez manger. Mais je pense que si vous vous débrouillez très bien et que vous vraiment vous faites pas d'efforts, je pense que vous pouvez en manger toutes les nuits. Je crois. Je sais pas si le temps passe assez vite en fait. On est à 98%, on va s'arrêter, sinon ça va être du gâchis. Il y a la scie que je voudrais réparer. Ça prend 1 heure. Mais je vois rien, merde. Attendez. Ah, on n'a plus de métal.
Ah non! C'est vrai qu'on a... Oh! Ah, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. Attendez, putain, je vois rien. Non, attendez, là on la met du mauvais côté. Oui, du coup, on a laissé tout le métal en fait à la forge. Faudra aller en récupérer. Faudra aller en récupérer seulement pour la scie, parce que c'est vrai que la scie, comme j'ai dit, elle est vraiment utile pour énormément, énormément de choses. Donc, ah, peut-être que la peau. Je sais qu'on voit rien. Je sais qu'on voit rien. T'inquiète pas. À 92%. Mince. Elle est toujours pas prête. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir. Oui, du coup, oui. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On a plus de métaux. On a plus de morceaux. Méga froid. Ouh, c'est sympa ce. Vous avez vu, des fois ça rajoute des filtres en fait, le temps. Là c'est très contrasté en fait. Intéressant. C'est pas moi hein, qui rajoute des filtres hein, sur la vidéo. Hein. C'est juste le jeu, j'aime beaucoup des fois. Ah, ça va, on devrait un peu voir. On va déposer les bouts de bois qu'on a récupéré. Là, on n'a rien à casser qui est métal. Poup. On n'a rien à casser qui est métal. La lampe. La lampe, c'est un seul métal. Non, je préfère pas la casser, c'est joli. Non, mais c'est pas grave. Il y a rien, c'est pas grave. On a du bois encore, mais c'est tout. Ah, 2 heures. Non, c'est bon, là on part. Non, je sais pas. Je voudrais que ça soit fini en fait. 93%. Ouais, ça dit pas en fait combien de temps il nous reste, donc bon, je sais pas. Je dirais on sort, on va sur le lac. Ou alors on va... on retourne voir les... Ah, il faut qu'on fasse de l'eau aussi. Oh là là, c'est embêtant. On retourne voir les carcasses et tout ça, genre l'ours et tout, s'il n'y a pas des plumes. On va devoir y retourner au lac pour voir s'il n'y a pas des loups qui traînent. Ah, on est à contre-vent. Je voudrais vraiment bien qu'on puisse récupérer des plumes. Parce que quand on n'a pas grand-chose à faire, du coup, on fait des flèches. Ah, on peut toujours faire des fûts. Oui, non, c'est vrai, oui, on aurait pu rester à la maison faire des fûts de flèches. Je voudrais bien aller à la tour là-bas qu'on avait vue, la tour... Je sais pas ce que c'est comme tour. Honnêtement, j'irais bien s'il ferait pas froid. Mais on a un temps de merde.
peut récupérer le charbon aussi du feu qu'on a fait. Ah Winnie. Du coup, on va aller voir ces carcasses là-bas. Enfin, ces cadavres plutôt. Voir s'il n'y a pas des plumes. Ah oui, dans la forêt, on avait vu qu'il y avait des bois à couper. Il y en a... Eh merde, il y a un loup. C'est juste un loup, là. Ok. Bon, bah... hein. C'est pas si mal. Excusez-moi. Pardon. Tu sais que... Hein? Hein? Ça te fait pas peur? Genre là, tu vois, il y a trois fois plus gros que toi. Et il est troué de flèches. Ça fait pas clic. Hein? Dans ta cervelle, non? Ça fait pas clic. Non? Ok. Bon, bah viens alors. C'est pas grave. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Bon, par contre, faut pas le louper parce que là il fait froid, j'ai pas envie de lui courir après. Là, il nous a lâché, je rêve. Merde, ça a fait clic? Sans déconner, ça a fait clic dans sa tête. Il nous a lâché. Il fait demi-tour. Bon, bah, ok. Bah oui. Non mais on va le laisser parce qu'on va reconnaître que cette fois, bah lui il a été intelligent. Voilà, lui il a compris. Oh le vent. Ah ouais, le vent en plus il nous souffle dans la gueule. J'ai pas envie d'avoir un loup au cul pendant qu'on a le vent en pleine gueule. De toute façon on est vraiment ralenti. Non bah lui il a été intelligent, vous voyez. Lui ça va. Donc on lui cède ça, on lui donne ça. On va le laisser tranquille. Il faudrait... Je pense que sur le lac, on peut peut-être trouver des meutes de loups. C'est... Ouais, ça pourrait nous aider. Ça pourrait nous aider, des meutes de loups. Ouais, non, des fûts de flèche. Là, on en a deux. Encore 2 litres. Ok. Fûts de flèche. On a 8. Hop là. Chaque fois, faut remettre sur le couteau. Ok, très bien. Très bien. Très bien, très bien. J'ai l'impression qu'on est lourd. Non, on est à 22 kg. Non, on n'est pas lourd du tout, en fait. Non, ça va. On n'a rien d'extra. Non, on va se ressortir encore un peu, se balader. Fait pas extrêmement froid. On a... C'est la tour de guerre, c'est l'oreille. Non, on n'a jamais dessiné. On n'a jamais dessiné notre endroit, en fait. Ah mon dieu, évidemment.
Évidemment, il fait pas froid, on peut se balader. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a un... Il y a un... Un brouillard. Les massettes sont pas revenues. Je vais voir si on peut pas casser cette branche là. Ah, par contre, on risque d'avoir froid. Attendez. On peut le faire ou pas déjà? Non, on peut pas le faire. Si, on peut. Oh, ouh. On va se mettre là. 1h18. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Ah, ça tue! Énorme. Énorme, énorme. On a récupéré 5 gros, gros morceaux de bois. C'est parfait. Parce qu'on n'a pas, on a pas trop de bois de côté. Donc ça vaut le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Hop là. Et on a récupéré quoi d'autre? C'est quoi, des fagotins? Oui, c'est bon. Ah, c'est sympa. J'avais un doute sur le fait qu'on puisse le faire, ce morceau de bois, en fait, parce qu'il était tellement gros. Et puis après, je me suis dit, bon, ça va prendre 4 heures sûrement, parce que vu que les... le temps est complètement démesuré dans ce jeu pour certaines choses. Genre casser une chaise, 2 heures, d'accord. Complètement normal. Mais au final, non. C'est 1h18. Il pourrait rajouter en fait des skills partout en fait. Il pourrait faire un truc de super RPG. Genre avoir des stats comme la force et tout ça. Parce que plus on casse des choses, et en théorie plus on a de force. Donc mieux on casserait les choses, ça irait plus vite, etc. Il y aurait, franchement, il y aurait plein de choses encore à faire hein, dans le jeu qu'on peut rajouter. Hein. Alors après, est-ce que ça va pas un peu empiéter sur le reste du jeu? Parce qu'après il y aura énormément de stats et tout ça. Mais... tellement de choses qu'on peut encore rajouter et qui pourraient être sympas. C'est vraiment cool. Allez, on va passer par là, voir ce qu'il y a. On était déjà passé, mais ça fait longtemps, donc peut-être qu'il y a des bois, peut-être qu'il y a des trucs. Bon, on va pas aller trop loin par contre. Parce que... brouillard. Parce que brouillard. Oh yes. Très bien. Oh, très bien. On va dessiner. J'allais dire, le brouillard devrait nous empêcher. Mais apparemment, le brouillard s'est estompé au moment où j'ai pressé le, la touche pour dessiner. Donc ça va. On est tranquille. Je le dessine, comme ça on a l'emplacement du cadavre en fait sur la map. Ça va nous aider pour les plumes. On va monter. Il fait toujours pas froid, ça va. Par contre, il va faire nuit. Je pense qu'on va rester en hauteur juste pour regarder un peu vite fait. Au loin, il y a des choses intéressantes. Je sais que là-bas, il y a plein de cerfs et de loups aussi. Ok, il y a des... Il y a des cerfs. 1, 2, 3. On va aller là aussi, voir s'il n'y a pas des plumes. Ok.
On va descendre par là. Donc ouais, ok, ça va, on peut... On peut chasser le cerf. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait. On est un peu loin, mais il fait pas très froid, donc... Oh, oh, oh. Ah, t'es sérieux, juste à la fin. Oh, connasse. Juste à la fin. À la fin de la descente. On va d'abord regarder les plumes. J'ai envie d'aller faire les cerfs maintenant. Mais ils sont loin de chez nous, en fait. Ah, oh, le brouillard revient. C'est sérieux, là. Je peux toujours une plume. On n'est pas encore trop fatigué. Il fait pas froid. Ouais. Attendez, on va les attaquer de ce côté-là. On peut, parce qu'en fait, il faut penser que si jamais on loupe, on va devoir leur courir après. Si jamais on les tue pas en une flèche, on va devoir leur courir après, donc on va se concentrer sur celui-là. Je vais juste récupérer sa peau surtout. Sa peau et... Bah la viande. Oui, la viande. Peau et viande. Après, le reste, les boyaux, on en a pas mal. Ok, très bien. On va commencer à se le faire maintenant. J'espère qu'il fait pas le tour. Ah, fait chier. Touché, pas tué. La flèche est pas, a pas tenu. Elle s'est brisée, c'est pour ça. Bon, au moins, on l'a pas perdu, c'est déjà ça. Par contre, je crois qu'il va pas... Ah, non, si, il saigne. Ah, il va où? Je sais pas s'il va, il va s'arrêter ou pas. Je sais que les loups reviennent de temps en temps, après ils boitent et tout. Je sais pas si le cerf en fait va s'arrêter de courir. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas perdu la flèche. Il est reparti sur la gauche. Ah non. Si le temps change pas, on peut le traquer indéfiniment, donc ça va. T'es allé loin.
Le truc, c'est qu'il y a des loups de ce côté-là. Merde, il a bifurqué. Oh non, oh non. Non, on recommence. On peut monter là, je savais même pas qu'on pouvait monter comme ça. Droite et merde, évidemment. En plus c'est le poignet, c'est bien, on peut plus utiliser l'arc. Là. Oh la vache! Je sais pas où il allait. Très très embêtant. Bon, ça sert à rien de le poursuivre jusqu'au bout du monde. Bon, la bonne chose c'est qu'on n'a pas perdu la flèche. Allez, voilà. Allez, c'est bon, on se casse. Ah, ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Ouais, comme j'ai dit, voilà, le bon côté des choses, c'est qu'on a, on l'a touché, ça a fait de l'expérience, mais la flèche a pas tenu vu qu'elle s'est brisée. C'était sûrement la flèche à 2%. Donc, voilà, on va pouvoir la recycler. Et puis voilà. C'est pas grave, grave. Alors, il y a le sang là, mais je crois que c'est d'où on vient. Quand on ira se balader dans la forêt, quand il fera bon et tout ça, on fouillera un peu et peut-être avec de la chance, on le trouvera avec les corbeaux. Non mais ça va, ça nous fait une belle petite promenade, on a bien géré. On a honnêtement bien géré. Ça je suis content. On a bien avancé. Il commence à faire froid en plus. Faut qu'on refasse des pansements. J'ai l'impression que c'est... C'est vrai que maintenant, ça va être la chose que j'utilise le plus, je pense, à chaque fois. Parce qu'on fait toujours des... Je suis en train de parler. On fait toujours des mouvements un peu craignos, genre sur les côtés et tout. Mais ça nous aide énormément pour chasser. Hein. Genre l'ours, on se serait fait tuer hein, si on le combat en ligne droite. Hein. Le truc, il nous fonce dessus et laisse tomber. C'est la fin. Hein. C'est la fin de la vie, là. Mais bon. Vu qu'on est intelligent. Et on veut qu'on a des tendances à être Spider-Man aussi. Alors, hop. Je crois deux. On va voir combien on a. Ah, il fait bientôt nuit, mince. Juste. Juste. Ok.
on a fait une flèche, on va recycler l'autre. Vous avez vu, on n'a plus les intestins, donc on peut encore manger. Donc flèche brisée, recyclée. Vous voyez, on récupère deux plumes sur trois. Et la pointe de flèche. La pointe de flèche qui est en théorie à 100%. Voilà, 100%. Donc, on peut refaire une flèche. Mais il fait nuit. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc, on peut pas. Bah, voilà. Je crois que c'est fini. On va aller dormir. Notre arc est à 62%. On va faire ça. L'hameçon, ça aussi que je voulais jeter. Enfin, poser de côté depuis longtemps. On a un fût de flèches. Il est où le fût? Ah, là. Voilà. 18 de côté. Ok. Je vois strictement rien, mais c'est pas grave. Oups. Donc voilà, on est bon. On va manger encore un steak d'ours. Parce qu'à chaque fois c'est 1035, donc on va en profiter. On va manger un steak d'ours, on va dormir. Et puis voilà, ce sera la fin de notre épisode. Honnêtement, ça se passe bien, je suis content. Et on avance assez vite. Ah oui, demain, je crois qu'on verra comment ça se passe. On va faire les bottes. Je dirais les bottes de... Parce que ça, c'est vrai que c'est 1 degré. Je crois que c'est 3 degrés, les bottes de serre. C'est 3... 2-5, 2-5. Donc c'est pas mal. 2-5, il y a beaucoup de résistance et tout ça. Donc c'est vraiment cool. Parfait, parfait. On avance bien. On avance bien. Voilà. En espérant de pas tomber malade à chaque fois, comme je dis tout le jour. Mais bon, on a assez de médicaments si jamais on a des problèmes. Mais c'est cool. Content.